Hey, 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Et voici à quoi ressemble la petite Nantilde un peu relookée avec un pyjama violet. Et là, elle se dit, oh pardon, elle se dit, oh pardon, elle se dit, ah, je vais trop dormir dans mon lit, c'est trop bien. Ouais, mon lit il est trop cool. Et puis j'ai mis la petite lampoune, comme ça personne nous emmerde avec le monstre. Et elle dort, et elle dort, et elle dort, et elle dort. Et voilà, je l'ai relookée pour cet épisode, comme je vous l'avais dit. Ah, il se passe quoi? La journée du jargon de pirate. Très bien. Oh, et on a la petite Odile qui pleurniche parce qu'elle a fait à sa couche. Tu vas tout de suite aller la changer, car là, comme ça. Ah bah oui, mais c'est à toi de le faire, hein, cocotte. Allez. Mais, alors toi, tu vas t'occuper de ton cul. Tu vas pas commencer. Rencontrer son nouveau. Ouais, bah tant mieux. Allez, va, dégage. Dégage de là! Oh là là, Carla, tu peux revenir, s'il te plaît. Ah. Ouais, bouffer du gâteau au chocolat, t'as plus d'excuses maintenant. Ok, tu vas pouvoir retourner dormir. Un accouchement, c'est toujours un peu compliqué. Et puis surtout, t'as pas beaucoup dormi, quoi. Oh, le petit Norman. Oh, chouchou. Il pue la mort. Ludwig va aller le laver un coup. Il est trop mignon ce gosse. En tout cas, en tant que bambin, il est beaucoup trop mignon. Il est trop chouchou. Voilà, au moins, on lave avec une grosse éponge. C'est normal, tout va bien. La même éponge qui sert à récurer les chiottes, sûrement. Oh, c'est trop mignon. On dirait qu'il regarde et qu'il va sauter sur le. Voilà, je l'ai fait. Oh, merci papa! Quel âge je lui ai fait. Faire un truc de docteur, j'ai viré la chaise. Comme ça fait un peu plus de place. Et elle, elle discute avec Dragon. Ben oui, hein, cocotte. Oh, tiens, regarde, il y a un truc là. Tu joues avec émotion, faut remonter tes capacités, hein. Contrôle des émotions, c'était pas terrible, hein. Oh, elle grandit déjà dans 3 jours. Oh là 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 là. Déjà, première adolescente, ça va aller trop vite. J'ai l'impression que cette génération, elle va beaucoup trop vite, quoi. C'est plus possible. Bah, il faudrait que tu fasses plusieurs choses, Carla. Hein. Et puis, il faut surtout que tu refasses ton livre, là, parce que sinon. Ludwig a répondu Drago juste sur Isabelle. Oh, Isabelle, c'est la fille de Ludwig. C'est pas cool, hein, de dire des saloperies sur un enfant, quand même. Écrire, reprendre l'écriture de Amour brûlant. Bah oui, il a toujours pas fini, hein. Ouais. Oh, le pétard qu'elle a, quand même. Oh la vache. Un bon petit régime, ou une glace régime, au choix. Pour qu'elle maigrisse, parce que là, ça va plus. Hein. Oh là là! Mais quelqu'un peut s'occuper du gosse! Oh, Ludwig, s'il te plaît, sauve-nous! Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais. Non, tu bosses! Ah, c'est pas possible! Reprends l'écriture de Amour brûlant. Allez, vas-y! Cette fois-ci, on avance! On veut du pognon. Toi, bientôt, tu ne seras plus utile, Ludwig. Quand Odile, je pense, sera enfant, tu pourras déménager avec ta pas ta femme, parce qu'elle t'a lamentablement envoyé paître, mais la mère de tes enfants, quand même. Oh, c'est trop mignon. Merde, Odile, à la fin. Niveau 7 écriture. Les filles, elles s'éclatent à la balançoire. C'est trop chou. Vous pouvez voir comme ça le look un peu plus normal de Nantilde. En mode habillé, quoi, pas en pyjama. Voilà, avec une petite robette. Un peu sage sur elle, mais quand même mignonne, hein. Oh, mais on est au printemps 7 sur 7 et il commence à faire chaud. Bah, il était temps parce que, bon, avec toute la flotte qu'on s'est pris, le printemps, c'est pas le printemps, quoi, c'est juste l'automne ou l'hiver, hein. L'été, on va avoir que de la canicule et des orages. Sur 7 jours, je vous le dis, moi, ça va être chaud. C'est le cas de le dire, ça va être chaud. Lui, il est en train de se faire un film tranquillou, d'accord. Très bien. Elle écrit. Tu finis quand ton livre là? Parce que après, tu vas faire un peu de yoga. T'as reçu un tapis, tu l'as même pas fait. Et puis comme ça, tu perdras peut-être du poids en faisant du sport. Ludwig, il prend son rôle de tonton très à cœur, hein. Je lui ai rien demandé là. Il lui apprend à quoi du coup? À parler, j'imagine. Ah non, avec les cartes.
Les cartes sur les besoins. Ah ouais, voilà. C'est un très bon tonton. Il est très très fort. Par contre, le petit, il a besoin d'aller au pot. Donc, va falloir que tu demandes de l'aide. Bah, tu demanderas de l'aide à tonton, hein. À tonton, il est... Attends. Je veux dire, il connaît plus son oncle que sa mère. Ce qui serait drôle, au final. Pourquoi pas, après tout. Tu finis quand ton livre? Oh la vache, qu'est-ce que t'es lente. Je déteste les bébés. Je déteste les bébés qui pleurent. Ah, qui foutent de la morve partout. Du vomi et de la morve. Ah, c'est dégueulasse. Non, en vrai, tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas... Non, tu vas... Oh putain, ta gueule. Oh, bon sang. Allez, tu vas t'occuper vite fait de ta fille, là. Casse-toi, je sais plus comment elle s'appelle. Meryl. Oh, bon sang, elle se tait enfin. Tiens, tu vas ensuite vendre à un éditeur ton livre. Et tu vas t'entraîner au yoga immédiatement aussi. Allez. Oh là. T'es fat! Pourquoi ça me bouge à chaque fois? Voilà, compétence bien-être. C'est pas vraiment sport, c'est bien-être. T'es fat, Carla. Hein. Franchement, là, pouh! C'est pire que moi, pour te dire à quel point. Ah ouais, mais quatre grossesses quand même, hein. De coup sur coup. Je pense que ça te fera du bien de prendre soin de toi. Allez, la souplesse. D'un côté. Respire. Alors, ça, c'est la position. Du chien, la tête en bas. Ouais, c'est ça. Normalement, tu dois avoir les jambes droites. Mais bon, je te pardonne, moi non plus, je ne sais pas garder les jambes droites. Je n'arrive pas à toucher le sol, les mains, quand j'ai les penchées en avant avec les jambes droites. Non, je n'y arrive pas. C'est impossible pour moi. Et en accéléré, ça donne. Ouais, elle se débrouille bien, hein, quand même, pour une première séance de yoga. Tu fais pas grand-chose, quand même. Tu es très lente pour faire ce que tu fais. Ah, toujours la position du chien à la tête en bas. Et puis c'est tout, quoi. Gros, tu sais pas faire autre chose. Très bien! Ça te permet d'être concentré. Ok. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas arrêter. Tu vas aller courir. Et après, tu pourras manger et prendre un bain. Ce sera pas mal. Oh my god! Ça va plus! Regardez, elle est bien là, elle se sent confiante et tout, elle a écrit un livre, machin. Allez, un petit footing et comme par hasard, il passe à travers la maison. C'est bizarre ça quand même. Oh là là, elle est coincée dans la table. Ouh là là! Ah, ça y est, c'est bon. Et hop, elle ressort par là. C'est très bizarre comme. Je sais pas trop. Allez, hein, on te laisse courir et tu nous reviens toute fine. Non mais voilà, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il est censé faire chaud. Ah non, il fait frais maintenant. Mais il a emmené le petit se faire sa baignade. C'est pas possible. Ludwig est un père parfait et un tonton parfait. C'est trop mignon. L'esprit est plus fort que le corps. Oui, effectivement. Carla, tu vas écrire un peu. Bon, il y a un peu 3h30 du matin, mais au moins, tu as commencé à faire un livre que tu termineras plus tard. Allez, tu vas y dormir. Puisque, sinon, ça va plus aller, quoi. Bonne nuit, Carla. À demain. Odile. Odile, à faim. Odile, la relou. Allez. Oh, c'est l'été. Les petites abeilles, les zippings, tout ça. C'est parfait. Voilà, ferme un peu sa tronche, cette gosse. Et après, tu retournes au lit. Est-ce qu'on n'a pas que ça à foutre? Il faut préserver ses forces. Voilà, la petite. Elle est au lit. Ouf, c'est parti. J'en ai marre. J'en ai marre. Allez, vas-y, va dormir. Va dormir. Vas-y, retourne au lit. C'est bon. Tu nous casses les pieds, Odile. Hein. Franchement, là, c'est pas des bons points ce que tu nous fais, là. 853 Simflouz en droit d'auteur. Ça y est, on est
Enfin, on peut se dire qu'on gagne de l'argent. Il fut pas trop tôt. Il est où le chat? Ah, il joue avec son pouet-pouet. Oh, ils sont tous auto. C'est trop mignon, qu'est-ce qu'il raconte? Écoutez une histoire drôle. Et tu vas répondre. Tu vas babiller. Et tu vas babiller. Et tu vas. Et tu vas. Non, oh, c'est bien déjà. Car là, tu vas te lever, tu vas re-t'occuper de ta fille. Comme une mère exemplaire que tu n'es pas finalement, mais qu'on ne dira pas. Et puis, voilà. Allez. Oh, elle est enjôleuse, la coquine. Voilà. Mais t'as la bouche avec le téton dedans, Odile, qu'est-ce que tu pleures? Ouf, voilà, au moins ça, c'est fait. Ensuite, tu pourras aller aux toilettes rapidement, Joris. Non, on va pas y aller. Et puis, on va prendre un petit déj. Et on se sera pas mal, hein. Après, tu feras un peu ton bouquin. Et si on a le temps, on te fera faire un peu de sport, effectivement. En plus de ça, pour retrouver la ligne. Odile, la vieille. Oui, c'est une blonde aussi. Ah, c'est cool. Elle sera pot de colle. Allez, je. Ouais, oui, j'étais en mode accéléré. Voilà, la petite Odile. Odilette. Mais, ah, qu'on regarde un peu tes yeux. Oh non. Oh non. What in the hell? Elle a les yeux violets! Oh my fucking god! Son père n'avait pas les yeux violets, on est d'accord! Oh! Bon, bah, je crois que j'ai mon héritière favorite pour l'instant là! Elle est trop kiki avec ses couettes! Ah non, c'est trop mignon! Et puis Norman il pue, d'accord. Oh là 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 là! Les yeux violets! Ah non! Petit con! Pourquoi, Norman? Tu es un petit con! Il peut pas lui faire éducation CL. Tu vas arrêter et tu vas éduquer tout de suite ton gosse. Ah non, 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 mais dis donc. Discipliné, sévère. Ouais, hurler. Ah, mais tu veux. Ah! Vas-y, Carla, entre en scène et apprends-leur à ces sales gosses. Ouais. Ah bah il a pas eu. C'est. D'accord. Il va faire un petit jogging énergisé pendant que tu y es, tiens. C'est bientôt l'anniversaire de Norman. Ah bah oui, j'imagine, oui. Il est en colère parce que. Parents indésirables. Mais ça va. Mordre. Oh, on va regarder ce que ça fait de mordre un coup. On va rigoler, je pense. Non, mais touche pas. Ah, il l'a mordu la main. Ah, le sale. Gosse. C'est génial. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Et à la fin, enlacé tendrement. Allez. Parler de princesse. Parler de super-héros. Et enlacé tendrement. Il n'y a pas de raison. Hein? Elle est partie courir. Ludwig, tu pourras lui changer sa couche, peut-être. Il m'aura vraiment servi qu'à ça, quoi. Voilà un petit câlin. Changer la couche. Voilà. Ça, ce sera pas mal. Carla rentre fière, certes, mais complètement crado de son dos jogging. Et elle va se baigner dans sa baignoire complètement crado aussi. Donc ça va être super. L'état de la baignoire va être magique, quoi. Mais bon, elle va se détendre avec des bulles. Ça va lui faire du bien. On va la remonter un peu et puis. On est bien, qu'est-ce que tu fais toi? Tiens, si tu veux, tu peux faire le ménage. Ah non, pas de conneries, dis donc! Meryl! Oh, petite conne! Et elle continue en plus, hein. Tu viendras nettoyer, tiens. Oh, je t'ai dit non! Ouais, ces trucs, ils ont disparu. Ouais, va te rendre utile, range, et puis après, tu nettoieras ton bordel, là. Oh, elle m'énerve. Oh, j'ai envie de la taper. Hop! On manque la petite, t'es déjà en train d'apprendre le pot avec tonton. Ludwig, quand tu auras fini, tu pourras nettoyer ça. Nettoyer ça. Mais non, c'est pas mon esclave, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne comprends pas. Vraiment, non, je ne sais pas. Je n'ai pas vrai.
Ah, Carla, elle a remis sa tenue d'hiver parce que il fait... Ah oui, il fait frais en été, premier jour d'été, il fait frais. Ok, très bien. Elle a une de tes filles, deux de tes filles. Mais franchement, les yeux violets, quoi, c'est trop cool. C'est trop cool, mais après, j'ai peur que ça se retransmet en yeux rouges. Bon, quand même, on a un beau melting pot hein, pour les héritiers, sachant qu'Apple, c'est en plus de ça, sur les quatre enfants, on en a aucun qui est roux. Donc, c'est bien. Ça, franchement, je trouve ça vachement sympa, en fait. Qu'est-ce qu'il a, le chat? On ne sait pas. Mais ouais, c'est cool, hein. Ça fera un vrai mélange. Mais disons qu'on a le choix entre les yeux cheveux noirs et les cheveux blonds. Bon, mais il aurait pu avoir du brun, du châtain, du roux, tout ça, mais c'est quand même pas mal. Oh, il a besoin d'attention, chouchou. Oh, petit coucouillou, va. Hein. Ouais, va faire des mamours à ton chat. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu trolles pas les forums. Qu'est-ce qu'il dit, lui? J'ai un scoop. Mathieu, bah ouais, Mathieu, mais non, en fait, on a dit qu'on ferait plus d'enfants pour l'instant. Allez, tu vas continuer un peu ton livre. Ce sera pas mal. Et pour nous, qu'on ait des sous. Mais c'est trop mignon. C'est vrai que je suis toujours en train de imiter le chat, mais je sais pas pourquoi. Mais je devrais pas, mais c'est pas grave. Bah après, ah, t'as dormi, toi. C'était bizarre un peu. Faire connaissance. Parce que, bon, normalement, tu devrais être... Je sais pas ce que tu fais. Ouais, tu lui es prêt, t'es dans ta chambre, t'as raison. Eh, mais il va nous manquer un lit d'enfant. Bon, après, c'est pas très grave. Parce que, après, Ludwig s'en va. Donc, la grande chambre sera récupérée. Je pense par Meryl, vu que c'est l'aîné. Bon, même si ça ressemble à une chambre de garçon, au pire, je ferai un petit relooking de chambre. Meryl, tu es dans ton lit. Oui, c'est bien. Toi aussi, il va falloir que tu ailles au lit après avoir été occupé du chat, quand même, hein. Un petit pipi et au lit. Et on a Carla qui, elle, continue un peu de... Oh, bah, elle a presque fini son livre, hein. On va la laisser faire. Et puis, une fois qu'elle aura fini son livre... Ah non. Ah si! Génial. Eh bien, écoute, tu peux jouer, s'il te plaît, vite fait, comme je t'ai demandé. Ah oui, mais oui. Bah, écoute, t'as plus d'hommes pour te faire des choses, donc... Hop! Et après, ce sera dodo. Mais encore, elle est en bonne forme, là. Ça va. Youpi! Du pognon! Du pognon! Ah, ça, c'est cool! Tu vas pouvoir aller faire pipi comme une championne et aller te coucher tranquillement. Ça, c'est une bonne journée qui se termine, petite Carla. Oui, je sais pas, il y a eu un bug. Hein, c'est tellement intéressant de te voir pisser, ma belle. Et allez, tu vas aller au lit. Ah, ce lavage de main. Oh non, elle m'a tout cassé. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est Sims. Hop, 62 Simflouz. Allez, au lit. Maman Carla. Et le chat, qu'est-ce qu'il est où? Oui, bah il nous cassera pas les pieds. Ah, oh, ça pouffe, elle est pourrie. Enfin bref, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je relookerai la petite Odile pour le prochain, même si je pense que je vais lui garder ses petites couettes et ses petits yeux violets d'amour. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!